Oui, ça, c'est des pères. Vu que ça faisait beaucoup d'années qu'on était dans l'industrie de la broderie, ben on a décidé de partir à notre compte. On a commencé avec deux machines. Puis, c'est ça, on s'est amené ici, on a ouvert le petit local, on a grandi, on a descendu au troisième, on avait des femmes qui travaillaient à la maison, on avait pas mal d'ouvrages. On avait acheté des perles, on avait un mur de perles au complet. Des tubes en vitre, on avait toutes les perles, les pierres du Rhin, on faisait tout ça. On faisait la broderie aussi avec les machines qui faisaient la belle broderie, la paillette avec les machines. Il y avait aussi. Oui, les cornelés qu'ils appellent, là. Ça, c'est des machines, des vieilles, vieilles machines. Il n'y en a même plus à Montréal. Puis on faisait la paillette, on faisait le pierre du Rhin à la machine aussi. Quand c'est dans le papier jaune de même, là, ça fait longtemps. C'est de la en vitre, puis c'est de la belle qualité. Ouais, ça, c'est pas du plastique. Non, c'est tout en vitre. Il y en a qui venaient, puis tu sais, qu'est-ce que tu fais, Monique? C'est bien beau. Oui, bien, je suis prêt à dessiner le pantalon à Céline Dion. Ben voyons donc. Ben oui, c'est ça. Moi-même, je disais, ben ça se peut pas, voyons donc. Là. Juste le dessin, je pense que ça m'a pris une semaine. Puis après ça, on a brodé le pantalon à la machine qui a pris, oh mon Dieu, une bonne journée. Ensuite, on a fait broder par une madame à la maison. Puis elle, ça y a pris assez de temps, mon Dieu, ça y a pris au moins trois semaines, certain. Puis on l'a brodé à la main. Ça a été toute la broderie à la machine, elle a tout été brodée après. Alentour de la broderie avec des pierres du Rhin, avec toutes les perles qui ont été posées une par une à la main. Alors, quand on l'a vu, ça a fait un petit boulot de voir, surtout c'était l'année 2000, hein? Fait que, elle donnait un spectacle, puis elle a été à travers le monde avec les costumes, qui faisait un beau petit boulot. On ne paraît pas, personne ne sait que c'est nous qui l'a fait, sauf Annie. Jamais ça, par exemple, jamais la broderie, parce que c'était jamais pareil. Tu sais, tu faisais, il y avait souvent des affaires qui étaient exclusives. Je faisais beaucoup, beaucoup pour la mariée, la mère de la mariée. J'ai fait beaucoup, beaucoup de robes brodées. Moi, quand j'ai commencé avec Paul, on avait acheté d'une madame qui faisait justement du perlage à la maison. Elle avait un mur au complet de perles. Mais c'était toute la belle perle. C'était de la perle en vitre. Les rhinestones, c'était de la qualité de rhinestone. Tout était de la qualité. Maintenant, tu vois plus ça, là. Tu sais, tu vois plus. Tu vois que c'est pas de qualité. Tu vois que ça a été fait vite. Mais les prix ont tout augmenté. Ça n'a pas changé rien avec les prix, mais c'est moindre qualité. Puis c'est ça qui est arrivé, là. À un moment donné. On n'avait plus d'ouvrage là-dedans, fait que tous ceux-là qui travaillaient, ben, on les a mis à pied, puis ils sont trouvés des employeurs. Les machines pour perler, les machines pour faire la broderie, pour faire le cording, pour faire le biseau braid, pour faire la paillette, toutes les machines sont rendues au Maroc. On les a toutes vendues. On voit partir ça, puis ça nous fait mal au cœur, tu sais, c'est ça. Ça nous fait mal au cœur parce qu'on a investi là-dedans, on a travaillé avec ces machines-là, on a gagné une partie de notre vie avec ces machines-là. Puis là, au jour d'aujourd'hui, on peut pas. Il n'y a plus personne qui va acheter ça là, ici. Là, parce qu'il n'y a plus personne pour faire la broderie ici. Là, dans le moment, je fais un peu d'ouvrage pour Joseph Fritkoff. Je travaille pour le château. Je travaille pour deux compagnies qui font des vêtements pour enfants. C'est Simon Donna, Lollipop. On ne peut pas continuer parce que on peut avoir un petit boom là, comme là dans le moment. Mais ensuite, là, comme quand nous autres, là, dans le moment, on travaille pour le printemps. On a toujours une saison d'avance. Ça veut dire que quand on aura fini, on peut être deux mois, trois mois à rien faire. Fait que faut avoir assez. Les reins solides, et on ne peut pas continuer à sortir de l'argent toujours pour juste garder une compagnie ouverte.
ça va en finir qu'on va mettre la clé dans la porte. Puis ça va être ça. C'est triste, mais encore là, c'est triste, mais c'est comme ça. C'est la vie.